Denis qui saute, qui esquive les balles des adversaires, c'est bien fait de sa part. Il va tout de même tomber, est-ce que Carrigan est positionné dans les parades? Oh, Carrigan, le triple kill! Carrigan qui enchaîne un quadruple kill, qui est en train de surprendre de dos ses adversaires. Carrigan qui est en train d'inverser la tendance sur ce point. Carrigan maintenant, à Flucha et Carrigan! Pour les Astralis, le ace de Carrigan. Avec Colzera notamment au niveau de cette appart B qui va essayer de faire le taf à la place de Taco. Colzera qui a la ligne, qui va pouvoir justement contrer cette agression des liquides. Le premier kill de Colzera sur Adron. Et derrière on va être dans le Colzera. Oh Colzera, la prochaine jump. Et derrière le quadruple kill de la part du sniper américain. Et dans ce stop rush que vient de nous faire le sniper des Luminosity Gaming. Absolument enfin. Ouais, la gang qui est prise encore une fois très rapidement, là, très très rapidement, les fatigues. Et malheureusement pour eux, ça ne tombe pas encore à l'avantage. Il faut se débarrasser de ce défenseur. Triple élimination de Elige. Il en fait 3 d'affilée. Et Elige, 4ème kill, peut-être pour le point d'acquis là. Il ne reste plus que Jesper. Elige pour ce ace face à JW qui va essayer peut-être d'avancer la bombe. Elige qui est face à JW. Et le ace de Elige. Colzera avec son CZ, on sait que ça peut aller très vite, qui peut faire mal. Et exemple justement de ce kill sur Forest, derrière il va essayer d'enchaîner au niveau du spawn sur Sweet, il va réussir à faire le kill, il a un kill, il a largement le temps, il a l'info sur le dernier, la bombe est en sa faveur, elle est très très mal placée justement pour Xist. Est-ce qu'il va tenter le diffuse direct? Il va jouer, il va essayer justement avec le leader des NIP. Et est-ce qu'il va remporter son duel? Colzera, le 1v3. Ico pour réussir l'impossible. Solon là qui est sur un nuage pour l'instant avec son sniper, Taco également. Ils ont ouvert à eux seuls le BP, il reste plus que Ico. Ico seul face à 4, il fait un kill, il fait 2 kills. C'est pas possible. De l'OHP, de l'OHP peut le faire Ico. Il a tellement bien joué là sur sa reprise en slow. Je ne sais pas s'il a l'information que ses deux adversaires sont l'OHP, c'est possible d'en faire un. Et Félix il néglige la chance parce qu'il n'arrive pas Taco, qui ne venge pas son coéquipier. Mais il est amoché et surtout on est que deux à la défense. Existence qui arrive à éliminer un adversaire, il était côté tunnel, c'est du 1v4 pour lui. Existence qui doit tenir, temporiser un maximum de temps pour mettre le backup, c'est coéquipé, prendre l'équipe. Existence, le triple kill sur ce run. Existence qui arrive à enchaîner, Existence qui se retrouve en duel, passage route, va-t-il le faire? Le joueur belge de cette équipe, le leader initial des Gamers qui gagne un quadruple duel sur ce round. Il va falloir qu'il tergiverse en repassant justement au niveau de cette bobine. Ça y est, il va commencer à venir des Gatrides. Gatrides qui vient dans son C4, son Skarma, on essaie de le faire tomber. Mais on est en train de tous tomber, un par un. Le triple kill, le quadruple kill. Et l'aide de Gatrides. Le dive de la part de JDM, et ça enchaîne bien. Et Simple, attention, qui a pris un exit kill sur Ace. Ouais, il est auteur, il a été repéré. On voit que le canon se fait toucher d'ailleurs. Mais Simple, finalement, qui va éliminer JDM. Simple avec son sniper, attrape sur le VP, ça sera partir en 17 et le quadruple kill de Simple à la WP. Qui vient anéantir le sniper des CLG sous une flash parfaite. Côté Cutler, Dossia qui doit attendre un maximum de temps, le backup de ses coéquipiers, un joueur qui va arriver par cette terrasse, les bonnes flashs pour l'instant qui ralentissent un peu plus, Tariq qui prend ce kill, c'est du 3v2, peut-être la conclusion, car Tariq qui enchaîne un double kill, c'est pas mal Tariq, le quadruple kill.